Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre Let's Play sur Assassin's Creed Unity. Alors, on va donc continuer l'histoire. Faudrait que je trouve une boutique aussi, il ouais, y en a une juste devant. Tiens. Oh, donne-lui l'argent au mendiant. Mais où est le... La mission est carrément à l'opposé. C'est un peu fort. Écoute-moi. Qu'il va se rompre le cou. Collège des Quatre Nations. Le cardinal Mazarin, un temps simple diacre sans beaucoup de biens, laissa 2 millions de livres, une part de la fortune qu'il avait amassée pendant les 18 années passées à diriger la France, afin de construire ce collège et d'entretenir 60 personnes choisies parmi les quatre nations, Piémont, Alsace, Flandre et Artois. C'est l'un des plus beaux bâtiments de Paris. Il abrite désormais l'Institut de France et la superbe bibliothèque Mazarine, 275 000 volumes provenant pour beaucoup des collections d'émigrés et des guillotinés, dont Louis XVI a simplement étiqueté Louis Capet. Il offre également de splendides vues sur la Seine. En 1793, ce temple du savoir fut transformé en prison, Paris étant essentiellement une vaste prison. Ses premiers occupants furent le peintre Jacques-Louis David, malgré son portrait de Marat, mort dans son bain, le docteur Guillotin, partisan d'un mode d'exécution républicain indolore, et Madame de Tourzel, gouvernante des enfants royaux. La chapelle devint un entrepôt de sucre réservé à quelques privilégiés. Il se passe quelque chose là-bas. Où se trouve donc la mission? Je la vois même pas. Elle est là. Ah oui, d'accord. 700 mètres quand même. Un amant surpris par le mari. Approchez. Il y a beaucoup de diversité dans les bâtiments quand même là. Oula, ça chie ici. Ah,
Ah voilà, ils vont se régler leur compte entre eux. Ah, c'est la mission, on va être ici alors. Ok, au bureau des assassins. Alors, est-ce qu'on va se faire engueuler parce qu'on n'a pas tué l'autre là? Ah, Arnaud! Salut Arnaud. Que diable s'est-il passé sur la place de la Révolution aujourd'hui? Germain était là. Je connais désormais ses projets. Vous devez... Nous t'avions dit de rester à l'écart de cette enquête. Je sais, mais écoutez... Je sais, mais écoutez? Est-ce là l'estime que tu témoignes à la confrérie? Ton attitude ne me surprend pas. J'avais dit à Mirabeau que seule la vengeance comptait à tes yeux. C'est pour ça que j'ai rejoint la confrérie. Oui. Non parce que tu partageais nos idéaux ou par sens du devoir, pour te venger. Pour trouver la rédemption. Ne joue pas sur les mots. Tu n'as cessé de désobéir aux ordres du Conseil. Tu as traqué des cibles sans sa permission et foulé aux pieds le credo à chacun de tes pas. Maître Trenet. À la lumière de ces actes, je n'ai d'autre choix que de demander un vote d'expulsion. Maître Bélier. J'approuve. Qu'est-ce que... Maître Kemar. J'approuve. Arnaud d'Orient, tu n'es plus des nôtres. Ton rang et ton titre te sont retirés et tu es désormais à jamais exclu de la confrérie de Paris. Vous êtes devenu fou. Écoutez-moi, je sais ce que prépare Germain. Je peux l'en empêcher. La décision de ce conseil est sans appel. Tu peux partir maintenant. Ok, on s'est fait virer des assassins. Alors, je sais pas si j'aurai encore accès au QG, du coup. Pas sûr. Et peut-être je vais passer des missions particulières, du coup. Ah, Versailles. Où est-elle?
brasserie Garceau. Mais quand? Hier soir? Le camp d'ici. Mais... Dehors ! Tu as causé assez d'ennuis pour ce soir. Très bien. Alors dans ce cas, j'irai trouver du vin ailleurs. Attends, gars. C'est quand même hallucinant qu'il arrive à faire autant de choses en étant bourré. Tu n'as quand même pas pu t'évaporer. Oh, mais foutage de gueule. Des jours sont comptés. Merde. Et tiens aussi, mon pauvre vieux. T'arrêtes la brute là ? Allez. C'était la nuit dernière. Je l'ai peut-être laissé là-bas. On a très peu exploré encore Versailles. Hein. Oh, c'est petit, vous me direz, mais quand même. Donc ce sera ici alors qu'il faut qu'on aille. Hein. Le château de Versailles, c'est plus grand monde maintenant, c'est plus que des ruines. Enfin, des ruines. Bon, le bâtiment il est encore bien en état, mais c'est plus habité par personne quoi. Mais est-ce qu'on est dans le château de Versailles là? Je pense pas. Non, on est dans un petit château annexe. Je sais même pas s'il est vraiment là le château en fait, je vois pas. Bref. Peut-être à l'écart. Hein. Cette crapule de la touche.
Seigneur, non pas toi. Tu n'as pas causé assez de dégâts hier soir. Non, c'est juste que... la montre de mon père, vous ne l'auriez pas vue? Non, je n'ai rien vu. Si tu allais demander à l'un des quatre gars avec qui tu t'es battu. Idiot. On vit des séquences d'une. Passer. Fais attention! Bah, je ferai pas ça, mon gars. La ferme, le vieux. Vache. C'est des batailles mortelles, là. Hein. Le mec il essuie sa vaisselle tranquillou, alors que les mecs s'entretuent devant lui. Toi, dis-moi où est ton chef. Oh, diable! Reviens ici! Cherche-moi qui sont là. Où est-il? Au palais! Ils sont au palais! Merci. Ah voilà, château de Versailles. Quel putain! Merde. Je suis désolé mais c'est un empoisonnement l'autre hein. Non c'est une lame. Peut-être ça alors. Fermiers et leurs pièces en cuivre. Seigneur, quand la nuit est-elle tombée, hein?
Reste où tu es. C'est bien fait, hein, les animations sont quand même bien réalistes. Hein. Ça rend photogénique, hein, la galerie là. Ah, chier. Ouais, vraiment du vrai quoi. Regardez-moi ça, c'est super bien reproduit quoi. C'est assez fou de se dire qu'on est en train de se faire des combats monstrueux dans la célèbre galerie de Versailles. Oula, ça c'est même pas ça. Ah ça, juste un lag. Que je te dise, tu as toujours eu une mauvaise influence. C'est toi qui déteins sur moi. Je reviens en arrière, hein, j'ai pas trouvé où fallait aller. Bon. Il y a des gens au milieu là, il doit y avoir un accès à une des cours. Il n'y a aucune porte d'ouvert, je fais comment moi hein.
Pas terrible ça, hein. Alors on monte. Oh purée. Peut-être ici, ouais, voilà. Ceux qui s'opposent à nous méritent la mort. Putain. Ah voilà. Je prends l'argenterie. Alors, content d'être venu, hein. C'est Léon. Ils ont blessé. Étrange. Merde. Je ne te laisserai pas t'enfuir. Je tape. Te voilà. Ouais, vu sur les jardins, c'est joli. Ah ouais, d'accord, le château, il est là. Il y a la ville qu'elle a, ok. J'ai pas l'impression qu'on puisse aller librement au château, hein. Wesh. Ne puis-je pas venir avec vous, père ? Courage, mon garçon. Tu vas m'attendre ici. Et je reviendrai quand cette aiguille sera en haut. Ah oui, c'est pour ça qu'il tient vraiment à sa montre. Et Arnaud ? Pas d'exploration, compris ? Oui, père. C'est quand même pratique les bombes de fumigène. Arnaud. Tu es dans un sale état. Et toi, tu es venu me demander quelque chose. Comment tu peux dire ça après avoir disparu de cette façon ? Tu m'as bien fait comprendre que tu n'avais plus besoin de mes services. Non, je t'interdis de me parler comme ça. Que veux-tu que je te dise, Élise ? Pardonne-moi de ne pas t'avoir laissé mourir ? Désolé de tenir davantage à toi qu'à la mort de Germain ? Je croyais qu'on désirait la même chose. Ce que je désirais, c'était toi. Je n'oublierai jamais que c'est ma négligence qui a causé la mort de ton père.
Tout ce que j'ai fait depuis, c'était pour réparer cette erreur. Et éviter qu'elle se reproduise. Tu n'es sûrement pas venu ici sans raison. Alors que veux-tu ? Paris est en train de se déchirer. Germain a conduit la révolution dans les abîmes de la décadence. Les guillotines opèrent quasiment jour et nuit. Et qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ? L'homme que j'aime n'aurait jamais posé cette question. Tu vaux mieux que ça. Je rentre à Paris. Tu viens avec moi ? Je dois d'abord régler une dernière chose. Très bien. Je vais nous trouver un moyen de transport. Fais attention à toi. Ne te fais pas prendre. Bon voilà, ça a été un petit peu plus long que les précédents, mais ça va encore. Regarde dans quel pétrin tu nous as mis. Silence là-dedans! Voici donc ce qu'est devenue la France. Des parasites qui saignent la révolution à blanc. Ah d'accord. Je vais le faire maintenant, hein, ça va, c'est tout, c'est ce qu'on vient de me lancer là. Sort de Versailles. Après l'abolition de la noblesse héréditaire et le transfert du roi à Paris, la population de Versailles diminua considérablement. Elle passa d'environ 60 000 habitants en 1789 à moins de 30 000 en 4 ans. L'abandon du palais et de nombreux domaines de nobles attirèrent les pillards, introduisant une insécurité qui se prolongea jusqu'au début du 19e siècle, lorsque Louis-Philippe fit du château un musée national. Voilà. Un peu de bourrinage et tout marche bien. Congédié ? Mais pourquoi ? Parce que, monsieur Latouche, votre dernier compte-rendu contenait de nombreuses bévues. Monsieur, j'ai vérifié par 3 fois ces sommes. Il ne s'agit pas d'une erreur. 10 000 livres se sont évanouies du trésor de sa majesté. Je regrette. Adieu. Monsieur Latouche, on raconte que vous étiez percepteur. Oui, monsieur. Bien. J'aurais grand besoin de vos talents. C'est du parasitisme pur et simple. Ça veut dire quoi ? On dit ça des fils de chiens qui se remplissent les poches au lieu de faire leur travail. Si tu savais tout ce qu'entendent les rats du chef.
Dites-moi davantage au sujet de ce chef. Très bien. Puisse le père de la sagesse vous guider. Puisse le père de la sagesse nous guider. Qu'attendez-vous de moi, grand maître ? Je mets tes services à la disposition de notre agent à la convention. Le Pelletier ? Non, le Pelletier présente son utilité, mais il n'est pas notre seul ami au gouvernement. Mon bon Latouche, je te présente Monsieur Maximilien de Robespierre. Monsieur, j'ai cru comprendre que Versailles grouillait de parasites. Aloïs Latouche, on avait déjà lu une bonne partie de lui. Selon les documents officiels, il a été révoqué pour corruption et incapable de trouver un autre emploi, assombré dans l'obscurité. Il est également question d'un chef de bande versaillais appelé Latouche, tué lors d'une émeute intervenue à l'occasion d'une exécution massive. On ignore qu'il s'agissait du même homme. Assassin 7, Templier 0. Ah, la foule. Ah, c'est vraiment les bonnes foules hein, qu'on se mange. Hein. Oh oui, c'est assez rural ici. Bon sang, ils ont retrouvé notre trace. Oh, c'est pas vrai. Ça s'enchaîne là, mais j'aurais... Là, faudra qu'on puisse arrêter l'épisode. Ils se sont affrontés dans les mois qui ont suivi. Mais on ignore où et comment ça s'est terminé. On compte sur toi pour le découvrir. Ça y est, le portail est ouvert. Si tout va bien, ce sera ta dernière migration forcée. Et si ça se passe mal, tu te feras griller l'hippocampe et on te nourrira par perfusion jusqu'à la fin de tes jours. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. Et puis, je vais refaire un... Je vais enchaîner sur un petit épisode. Voilà. Sur ce, à très bientôt. Ciao.